investir, t'es ébloui. Au point où l'argent. Bonjour, je suis Crotal, artiste musicien, un des précurseurs des musiques urbaines au Cameroun. Disons que présent sur la scène, si on peut l'appeler comme ça, depuis 1989. Mais l'engouement des musiques urbaines au Cameroun a commencé depuis le début des années 80, un peu comme partout, hein, c'est-à-dire 83-84. On était tout petits. Nous tous, on a été bousculés par la vague du Smurf, breakdance et autres. En 84, on a eu l'honneur de recevoir ici Sydney, qui était le précurseur du rap en France, en fait, du hip-hop, de tout ce qui est courant hip-hop. Et on s'est mis, en fait, on a continué à danser jusque dans les années 87. Et beaucoup, en fait, qui étaient issus de la danse, ont se sont mis à suivre les aînés qui étaient passés au rap, en fait. Parce que peut-être, comme moi, par exemple, je trouvais l'expression corporelle un peu limité par rapport à ce que j'éprouvais peut-être le besoin de dire ou d'exprimer. Voilà. C'était l'essence un peu de notre bataille, lui donner une identité, étant donné qu'on est dans un pays où il y a près de 280 ethnies différentes. Donc nous avons pour langue nationale le français et l'anglais. Par conséquent, on s'est dit, ok, au moins dans les sonorités que nous allons employer, dans les musiques, dans le langage courant utilisé par tous les Camerounais, à l'instar du camfranglais, le pidgin, on va essayer de créer quelque chose qui permettra aux gens partout où ils se trouvent de dire, ah tiens, ça j'ai l'impression que ça vient du Cameroun. Donc on a mis l'accent sur la façon de composer, les gimmicks utilisés, les expressions, et apparemment on pourrait dire qu'à un moment ça a pris. Nous, on a été les précurseurs, ça veut dire que tout ce qui est festival francophone du réseau institutionnel, que ce soit au Gabon, en Guinée équatoriale, en Centrafrique, au Bénin, partout, j'y suis allé, j'ai fait les Waga Hip-Hop partout. Je suis allé partout, j'ai fait le Sphinx Festival en Belgique. Cette année, l'année qui vient de finir, j'étais lauréat du prix RFI. Musique du monde, derrière Marema. Voilà, donc on est là, on existe. Ce qui m'a maintenu, c'est de voir que la passion qui nous... Parce qu'à un moment, c'est une question de passion. Voilà, si on faisait ça juste pour être des stars, on aurait arrêté depuis longtemps. Mais on s'est rendu compte que cette passion payait. C'est-à-dire, en 1998, quand grâce à un grand cousin à moi qui s'appelle Monsieur Louis Tsungi, pour qui j'ai beaucoup de respect, quand il me dit, écoute, je vois à quel point vous êtes talentueux, je voudrais mettre de l'argent dans des infrastructures d'enregistrement qui soient au même niveau que celles des grands home studios de France, je lui ai dit, allons-y. Quand on disait aux gens à l'époque que ce qu'on fait, on va en ressentir l'impact dans 5 ans, personne ne nous croyait. 5 ans plus tard, il y a réellement eu un impact. Après, on a dit aux gars, les scènes institutionnelles sur lesquelles tout le monde tourne, nous allons être sur ces scènes tout en vivant au Cameroun. Les gens ont dit, oh là là là, là vous rêvez complètement. Et heureusement, c'est ce qui s'est fait et c'est ce qui continue de nous donner la force. Je veux dire, on va dire quoi, du rap conscient. Du rap conscient parce que c'est ce que nous faisons. Peut-être pas tous, mais moi, c'est beaucoup plus du rap conscient. Apprendre à plusieurs degrés, après plusieurs réécoutes, on réussit en général à cerner ce que je veux vraiment dire. Et voilà quoi, c'est mon orientation. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce que les Américains appellent « bubblegum music », c'est-à-dire des choses... Des titres, comme on dit, c'est un hit, tu le vois tourner à la télé pendant un mois, 4 mois plus tard, tu n'en entends plus parler, tu ne sais même pas si le hit en question fait partie d'un album. La donne, en fait, a changé. Mais moi, ce que je fais, on va dire, entre parenthèses, du rap conscient. Je parle de ce que je vis tous les jours. Je parle de mon quotidien, je parle de fait que je peux observer.
analyser à ma façon, retranscrire par soit par mes lyrics, retranscrire par la façon dont je compose. Voilà, c'est vrai que je suis plutôt jeune, mais voilà, je parle en fait au nom de des gens de ma génération. Je m'adresse aussi à ceux des générations au-dessus, mais je parle en tant que jeune, m'adressant à tout le monde en disant voilà, voilà ce qui se passe. Pour investir, t'étais ébloui. Au point où la vraie raison de ta présence, tu l'avais même oublié. Famille, boulot, occupation, tu avais tout déblayé. Au Van Joker, au Van Mimbo. Ton domicile, c'était les casinos pour décrire Paris aux assoiffés comme Kimbo. Entre deux, Sky abruti des loges. Le moindre bonjour de la famille te faisait prendre l'âge. Soi-disant, c'était Noé pour se faire tes deux comme nos déluges. Mais c'était quoi ce délire? Monsieur la main levée, maillot jaune de Waka Waka. À ce qu'il paraît, on t'appelait mon amiral. Hein. À présent, Tinder de la ville, au Tembero, tu tournes en spirale. Regarde-toi, t'avais des potes, n'est-ce pas? T'étais des spots, n'est-ce pas? Maintenant qu'il n'y a plus de cas, viens au frigo, ils sont où? Tu es seul, à Kaomanga, ancien lourd, où sont les options? Tu pleures pour un call box. Jamais.